Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous nous remercions Seigneur parce qu'on fait nos grâces, parce qu'on fait une faveur, ou déposer grâce ou sous nom, ou bah nos possibilités jusqu'à présent à vivre encore. Nous souffle de vie à respirer, nous pas mériter ça Seigneur. Ou mériter l'orange, ou mériter honneur, ou mériter adoration. Si jusqu'à présent nous vivons encore, nous dans le monde encore, nous vivons encore dans le monde pour monde qui est en passé par la mort, pour monde qui est en mourir dans la pandémie ça. Sinon là encore n'a vivre Seigneur mérite l'orange, ou mérite honneur, ou mérite adoration, ou mérite remerciement. Je dis à papa dit l'amour de miséricorde ba nos possibilités ou permettre encore n'a vivre encore. Ou ba nos possibilités pour nous partager parole au Seigneur. Nous remercions pour ça, nos bonnes gloires, nous magnifions, nous exaltons pour ton amour. Nous levons bien haut Seigneur pour grâce, pour faveur, compassion, miséricorde. Tu as manifesté envers nous. Nous qu'a dit maintenant, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons dans le nom de Jésus d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons Père Saint dans le nom de Jésus d'illuminer notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites. Mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles, amen. Pour tout le monde qui à travers le monde, à différents côtés, dans le monde là, parole vivante et d'espoir, étude pour là, entre la caillou. Nous saluons, nous saluons, tout pouvoir, toute puissance, autorité. Nous demandons pour partager, n'est-ce pas, pour like, partager, commentaire. Permettre étudio avancer, permettre étudio arriver loin, permettre parole bon Dieu arriver loin. Vous besoin partager étude parole bon Dieu pour plus monde capable bénir, pour plus monde capable sauver. Parce que c'est but non ça. Partager la parole de Dieu jusqu'à ce que nos paroles de Dieu, jusqu'à ce que nous pas existé encore sur la terre. Aujourd'hui, nous allons étudier avec vous, n'est-ce pas, un autre sujet qui est quatre choses, alors excuse-moi, quatre conditions à remplir pour devenir ou demeurer reconnaissant envers Dieu. Quatre conditions à remplir pour devenir ou demeurer reconnaissant envers Dieu. La première condition est reconnaître avant tout que toutes choses viennent de lui. N'est-ce pas? Nous dit première condition, reconnaître avant toute bagaille, n'est-ce pas? Que toutes choses viennent de Dieu. Toute bagaille, ça veut dire tout son possédé, tout son gagné, ou besoin comme ça, ou besoin reconnaître. Avant tout, il vient de Dieu. Même si c'était ou même qui te travaille, mais qui est-ce qui a la santé pour travailler? Même si c'était ou même qui te travaille avec force, qui est-ce qui a connaissance? C'est Dieu. Reconnaître avant tout que toutes choses viennent de lui. Toutes bagailles viennent de Dieu. Ça, c'est premier bagaille. Ça, c'est première, t'as capable de dire, condition, n'est-ce pas? C'est la première condition, n'est-ce pas, à remplir pour devenir, n'est-ce pas, ou bien pour demeurer reconnaissant envers Dieu. Reconnaître avant tout que toutes choses viennent de lui. C'est ce que la Bible affirme. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Ouais, mes textes là. Il dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Du Père des Lumières chez les descendent d'en haut. Du Père des Lumières chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous prenons la première partie ici qui dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Ils sont en l'air. Ok? Belle kaisa qu'on gagne, jodi, n'est-ce pas? C'est bon Dieu qui baoule. Belle machine ça va pour le jour jodi, c'est bon Dieu qui baoule. Yes. Job ça, ou la donne, travail sur la donne. C'est bon Dieu qui baoule. Ok? C'est bon Dieu qui baoule. C'est pas parce que ou c'est moun qui est plus intelligent sur la terre. Des moun, n'est-ce pas? Qui possède, qui a connaissance qu'on gagne, qui a même plus connaissance que où? Béni soit l'Éternel. Qui a monde qui a plus connaissance que où? Cap dominant la rue. Waouh.
pas parce qu'on est mieux placé, intelligent, hein? C'est grâce. Waouh! C'est grâce! Pas parce qu'on est le monde qui est plus intelligent sur la terre. Il y a des gens qui ont plus de connaissances que vous, des gens qui sont mieux placés, n'est-ce pas? Qui t'a pour dans la position qu'on est. Yes, il y a des gens qui pensent que c'est eux-mêmes, hein? C'est force, c'est pour être moi. Je travaille, je fais l'argent. Je m'étudie. Non. Grâce. Waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Grâce. Yes. Yes, merci Seigneur pour ton amour. À 14 verset 17, il dit quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant, n'est-ce pas, du ciel, les pluies et les saisons fêtes, vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs. En vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs. Vous avez mangé la caoué, vous avez dormi, vous avez mangé sous tabou. C'est grâce, hein? Bon Dieu, mettez manger sous tabou, il mettez manger, il fait provision pour vous. C'est grâce. Parce que pour le monde qui a mouru dans le monde, il y a des pays où il y a des gens qui a mouru dans la rue. Ou même, ou gen manje la ka ou kap dormi, ou gen manje la ka ou kap gati. C'est parce que pi intelligent, c'est grâce. Ou te ka kote moun sa yo ye a tout. C'est grâce. C'est pas une raison pour humilier moun ki pa gen. C'est pour raison pour humilier moun ki nan problème nan, ki nan difficulté ya. Non. C'est grâce. C'est grâce. Pas parce que pi intelligent. Nous devons prendre garde. OK? Nous devons prendre garde. Pourquoi? Alors la question est pourquoi? Nous devons prendre garde de ne pas nous laisser influencer par ceux autour de nous qui ne reconnaissent pas Dieu comme le créateur de toutes choses et comme le grand pourvoyeur. OK? Nous devons, n'est-ce pas, prendre garde. Ça veut dire nous devons faire attention. Nous devons faire attention, n'est-ce pas, pour pas quitter nous influencer, n'est-ce pas, par monde qui autour de nous qui pas reconnaître bon Dieu comme le créateur de toutes choses. OK? Qui pas reconnaître, n'est-ce pas, le Dieu qui pas reconnaître et comme le grand pourvoyeur. Ça veut dire c'est bon Dieu qui est capable et qui connaît faire provision. OK, il est le Jéhovah Jiré. Le Jéhovah Jiré, n'est-ce pas, ça veut dire bon Dieu qu'on fait provision. Il fait provision pour moi, il fait provision pour vous tout. S'il fait provision pour moi, il fait pour vous tout. Il est le grand pourvoyeur. Donc, nous devons faire attention, n'est-ce pas, pour ne pas quitter nous influencer par monde qui est autour de nous qui pas reconnaître bon Dieu comme le créateur de toutes choses. Parce qu'il y a monde qui est autour de nous qui pas reconnaître, n'est-ce pas, Dieu comme le créateur de toutes choses. Non. Et qui pas reconnaître Dieu comme le grand pourvoyeur. Et qui pas reconnaître Dieu, n'est-ce pas, comme celui, n'est-ce pas, qui capable de faire provision pour nous, qui capable de fournir besoin non. Qui pas reconnaître ça. Donc bien fait attention, n'est-ce pas, avec mon ça pour ne pas non influencer. Il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Ça veut dire, nous ne sommes pas avec yeux, non. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Les gars du ciel, là, hein? Nous gardons terre. Qu'est-ce qu'ils créent? Bon Dieu créé. L'en gade bagay sa yo, n'est-ce pas, sa fin konne, n'est-ce pas, Dieu existe. Ok, la Bible dit, n'est-ce pas, grâce à tout bagay sa yo, donc, il dit, l'en nous considère, n'est-ce pas, moun sa yo, n'est-ce pas, ils sont donc inexcusables. Ou pas kamande excuse encore.
mon Dieu prouver qu'il existait. Puisque n'est pas qu'à m'en excuse encore, mon Dieu prouver qu'il existait. Puisque n'est-ce pas ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ouais, ils ont offensé mon Dieu. Il savait, il dit puisque n'est-ce pas, ils te connaissent bon Dieu, ils ont pas glorifié comme Dieu. Voilà. Ils ont pas glorifié comme Dieu et ne l'ont et ne lui ont point rendu grâce. Ils ont pas dit merci ingrat. Ils ont pas dit merci. Pour la vie qui dans yo, pour souffrir vie qui dans yo, yo pas dit bon Dieu merci. Yo couché, yo levé, hein? Yo pas dit bon Dieu merci. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. La Bible dit mon ça yo ni ça passé. Yo égaré dans pensée même sous ta l'école, hein, ou tu possédé tout diplôme, ou tu gain connaissance. De pour pas glorifier bon Dieu, de pour pas rendre bon Dieu grâce ou pas dire merci. Ou c'est égar somme connaissance qui existait depuis ou pas glorifier bon Dieu pas rendre mon Dieu grâce ou pas dire merci, la Bible considère comme égaré dans pensée. Et les cœurs sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. OK, la Bible dit n'est-ce pas, mon ça cœur plongé, cœur sans intelligence. Tout monde qui pas reconnaître Dieu n'est-ce pas comme le créateur de l'univers, qui pas rendre mon Dieu grâce, qui pas dire mon Dieu merci. La Bible dit c'est égaré et cœur pas gain intelligence, ça veut dire sans intelligence, il est plongé dans les ténèbres. Important. Donc, nous dit c'était nous terminons avec première condition. On a continué. Nous dit une enseignante de maternelle demande un jour aux enfants de sa classe. D'après vous, d'où vient le bon lait que vous buvez, n'est-ce pas, à chaque repas de la classe? D'après vous, d'où vient le bon lait que vous buvez, n'est-ce pas, à chaque repas? Ça, c'est une question, n'est-ce pas, posée, n'est-ce pas, par l'enseignante. OK? Il y a une enseignante maternelle. Il y a un jour, n'est-ce pas, il pose une question, ça. Elle dit, d'après vous, n'est-ce pas, d'après nous-mêmes, qui côté l'être ça n'a brea à chaque repas, qui côté le sorti? Hein? Il dit d'où vient le bon lait que vous buvez à chaque repas? D'où vient côté le sorti? Certains répondirent de chez, n'est-ce pas, l'épicier. D'autres dirent de la femme. D'autres les petits naturalistes de la classe répondirent fièrement. Brea, hein? Les sortis dans bœuf là. De la vache, les sortis dans lait à bœuf dans bœuf là. Enfin, le petit Jérôme osa répondre. C'est Dieu qui nous donne le lait. Béni soit l'Éternel. Le petit Jérôme, n'est-ce pas, a répondu. C'est Dieu qui nous donne le lait. Hein, le petit Jérôme a répondu. C'est Dieu qui nous donne le lait. C'est bon Dieu qui bat nos lettres là. Les autres enfants, n'est-ce pas, pour faire des rires, ils ont pété rire. L'enseignante, embarrassée, se contenta de sourire et s'empressa de passer à autre chose. On dit que le petit Jérôme, n'est-ce pas, a raison. Il dit, c'est Dieu qui nous donne le lait. Yes, c'est Dieu. Parce que Befla qui a si créé, c'est bon Dieu qui créé. Il est le créateur, c'est bon Dieu créé. L'être là, c'est bon Dieu ban nou. N'a bred l'eau. N'a bred l'être, n'a bred l'eau. Dis bon Dieu merci. Et merci bon Dieu pour l'être là. N'a bred. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur pour toute bagaille. Pour toute provision ou fait bon nom. Merci Seigneur. Donc, nous dit, pas oublier, nous sommes première condition. Deuxième condition. Il ne faut pas laisser un désir non comblé ou une prière non exaucée nous faire perdre de vue les nombreuses autres bénédictions qu'il nous accorde. C'est clair? Il ne faut pas laisser un désir non comblé, pas quitter un désir non comblé, un désir qui n'est pas comblé. Parce que nous avons des désirs qui n'est pas comblé. Nous avons des désirs, on sait des bagages, nous avons envie de gagner, nous avons des désirs pour gagner. Les bagages ça ou pas comblé,
eh bien, ça capable fait non perdre des vues. Nombreuses autres bénédictions que bon Dieu a accordé nous, que bon Dieu ban nous. Ça capable fait oublier. Il ne faut pas laisser un désir non comblé ou bien une prière non exaucée. Ça veut dire quelque bagaille nous mandé bon Dieu, nous gain désir pour nous gain mandé bon Dieu pas poko ban nous. Ça ka fait donc perdre des vues des nombreuses autres bénédictions qu'il nous accorde. Parce qu'on paquet tout bagaille qu'il fait pour nous. À cause, n'est-ce pas, désir non comblé qu'il gagne, à cause prière qui pas exaucée, il ka fait donc perdre des vues. Hein, nombreuses autres bénédictions qu'il nous accorde. Oui. Il ka fait donc perdre des vidéos. OK, ça c'est le deuxième point. Donc, savez-vous hein, que seul petit désir auquel nous nous accrochons a le pouvoir de nous rendre très malheureux. Nous nous accrochons a le pouvoir de nous rendre très malheureux. Vous comprenez ça? Donc, on est hein, seul. Il y a un petit désir qui nous porte en pile attention avec lui. Qui nous voulons gagner. Un petit désir, n'est-ce pas, nous voulons accomplir. Les gain pouvoir n'est-ce pas pour rendre nous très malheureux. Gain des monde qui gon paquet de bagaille, qui possède un paquet de bagaille, mais yon bagaille gain désir pour gagner pour qu'ka gagner. Et bien ça fait ça rend ni malheureux. Ça rend ni tellement malheureux. Ça rend ni pas qu'à vivre, ça rend ni pas vivre bien. C'est ça oui, texte a dit. Saviez-vous n'est-ce pas qu'un seul petit désir auquel nous accrochons a le pouvoir, n'est-ce pas, on dit des ligues de pouvoir pour rendre nous très malheureux, pour rendre nous pas qu'à vivre, béni soit l'Éternel. Oui, c'est ça. Verset 12, il dit, un espoir différé rend les cœurs malades, mais un désir accompli est un arbre de vie. Proverbe 13, verset 12, il dit un espoir différé rend le cœur malade. Vous voyez ça, ça passe? Un espoir différé lui rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie, béni soit l'Éternel. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Donc, on dit considérons les exemples suivants. Ok, on a parlé de ça, on dit un amoureux qui n'arrive pas à conquérir la femme de ses rêves. Ok, un amoureux, n'est-ce pas, qui n'arrive pas à conquérir la femme de ses rêves. Femme qu'il devrait gagner. Premier exemple. Deuxième exemple, une travailleuse ou un travailleur qui cherche un emploi dans un domaine précis. Ok, qui cherche un job, n'est-ce pas, un travailleur qui cherche un job dans un domaine précis, dans un domaine exact. Des exemples ça y est. Un amoureux qui n'arrive pas à conquérir la femme de ses rêves. Une travailleuse ou un travailleur qui cherche un emploi dans un domaine précis. Donc, lorsque nous sommes aux prises avec un désir non comblé ou une prière non exaucée, nous avons tendance à ne plus voir les autres bénédictions que Dieu nous accorde. Ok? Il est clair, il dit les noms. N'a qu'à dire, nous avons un désir hein, qui n'est pas comblé ou bien nous avons prié qui n'est pas exaucé. Eh bien, nous avons tendance hein, pour ne pas voir encore l'autre bénédiction que bon Dieu t'a accordé avec nous, que l'autre bagaille que bon Dieu t'a fait pour nous. Guide t'a accordé avec nous, que l'autre bagaille que bon Dieu t'a fait pour nous. Guide des gens qui pas jamais satisfait. Bon Dieu fait pile bagaille pour lui. Peut-être ton bagaille il besoin pour qu'on ait gagné. Eh bien, ça qui passe. Li pa wè sa bon Dieu te fè yo, li bliye yo. C'est ça qui rele ingratitude la, ou pas reconnaissant. Ou besoin joui sa ko gen, sa pou son possédé, sa gen, ou besoin joui l. Ou besoin de ka di portugais, en portugais, ou besoin aproveital. Sa ko gen, ou besoin joui l. Donc nous gen tendance n'est-ce pas pour ne pas wè l'autre bénédiction que bon Dieu accorde avec nous et nous devenons facilement insatisfaits, ingrats. Ça nous fait non insatisfait, ça nous fait non ingrat. Donc nous devons alors prendre un recul. On doit réfléchir hein, et nous rendre compte que même si Dieu ne nous a pas accordé ceci ou cela,
même si bon Dieu pas bon ça, pas bon rel, en particulier ça mandel là, même si et continue n'est-ce pas de nous donner tant d'autres bonnes choses. OK? Li te banon et la continue banon tant de l'autre bagaille. Ça qu'on mandé bon Dieu, il doit pas parole pour raison ou pour l'autre. Ça pas ca rendre la vous pas fonctionnel. OK? Ça c'était deuxième disons deuxième condition. Nous dit Mathieu Henry, auteur du fameux, n'est-ce pas, commentaire